Du stand de tir à l'atelier de lancer de grenades, en passant par le lever des couleurs, 400 lycéens toulousains se sont plongés l'espace d'une journée dans l'univers des réservistes au 1er régiment du train parachutiste de Toulouse. Le tout au pas de course et animé par des réservistes. L'objectif d'une telle journée, c'est de sensibiliser un petit peu les jeunes à la défense. De leur faire comprendre, toucher du doigt et réfléchir sur la réserve, ce que c'est que la réserve et pourquoi une réserve pour les armées françaises. Les quelques heures passées au régiment auront permis développer et d'initier cet esprit de défense chez les plus jeunes. L'éducation nationale, à travers cette opération, a cherché à inculquer des valeurs citoyennes à ses élèves. On court un peu partout pour trouver des balises un peu cachées dans tout le parcours. C'est assez dynamique et c'est intéressant. On a pu découvrir tous les métiers de l'armée, toutes les possibilités d'avenir et de carrière dans l'armée. On a appris à courir sur la base militaire et un peu à la vie des réservistes, quoi. Qui en dehors ils ont un métier, mais que sinon ils sont ici. On ne découvre pas ça en cours, quoi. Donc, ça permet de sortir de l'ordinaire. La journée restera marquée par le passage de l'A380, par le largage de colis et les sauts des parachutistes. Pour récompenser les lycéens, une remise de prix sera organisée au rectorat de l'académie le 15 octobre prochain.